Salut tout le monde, c'est Never et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle série sur Grid Autosport. Nous allons tout simplement faire une nouvelle carrière sur Grid Autosport, donc le nouveau jeu de Codemasters qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je me souviens plus de la date. Vous aurez toutes les infos sur là normalement. Grid 2 était sorti il y a déjà de cela un an à peu près, donc là on a commencé la carrière. Je vous laisse regarder ça, hein. À tout de suite. Oulala, re les gens. Ah carrément, ça commence comme ça. Par contre, l'intérieur était beaucoup plus beau dans la cinématique. Hein. Donc, c'est le circuit Hockenheim, donc un circuit de Formule 1 de base. Donc, on va juste mettre la vue intérieure. Qui est réellement ignoble qu'ils l'ont remis pour les 5% de joueurs qui la voulaient. Parce que, apparemment, il y avait 5% qui l'utilisaient et ils l'ont remis. Mais dans Grid 1, elle était déjà beaucoup plus détaillée. Là, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils ont fait réellement. C'est juste ignoble, par contre j'ai pas l'impression que c'est le vrai circuit, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc là chez le choix, on conduit une Audi, ouais. Une Audi quoi, je sais pas. On conduit une Audi. Ils m'ont freiné, donc voilà. Ça, merde. Non. J'ai pas envie. Donc, faut que je me refasse un peu en fait à la maniabilité des véhicules parce que. Tout à l'heure j'ai fait un truc sur les monoplaces, mais les monoplaces et ces véhicules là ne se comportent pas pareil, mais bon, c'est surtout pour tester le jeu. Et... Oh, putain, mais wesh, ouah, mais c'est... Ouah, là, c'est des bourrins ces connards. Wesh, wesh. Putain. Je signale que je crois que le jeu est en moyen de base, hein. Sachant que Grid 2 j'ai fini en normal et difficile sans trop de difficultés. Donc ouais, ça part. On m'avait dit que les IA étaient beaucoup plus agressifs, oui. Ils sont même bourrins, à vrai dire. Bon ok, je te dépasse comme un connard, mais oh. Donc on va essayer de faire le meilleur course possible. Putain, il n'y a que deux tours, on est 10e. Je sais pas, on est combien, apparemment on serait 16. Ouais, allez, dépasse-le là. Donc ouais, jeu édité et développé par Codemasters. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Trop large. On a quand même dépassé un. Attends, joueur 1. Carrément, on peut même pas demander mon place, c'est con. Peut-être qu'ils me le demanderont après, je sais pas. Bon, le jeu n'est pas en craqué, il est sur Steam là. Mais voilà. On va essayer de faire la meilleure course possible. Donc ça sera une carrière, cher, toute la carrière. Puis il y a pas mal de choses apparemment qui ont été rajoutées. En plus ce jeu là est en ultra, il est à 60 fps que j'ai activé la V-Sync. Donc ça va profiter au maximum du jeu. Attends, je t'ai bouffé. Hop. Jeu déjà très bien optimisé. Parce que déjà j'ai mis la V-Sync, hein, mais j'ai fait le bande d'essai là. Enfin le. Pas de stress test, mais un genre de benchmark, et il est ressorti que avec la synchro ça marche très très bien. Donc voilà pourquoi le jeu est tout à fond, hein. Et si vous voulez savoir mon config, regardez dans la description de la chaîne, à propos, vous allez voir, il y a ma config pour ceux qui me le demandent, ceux qui me le demandent souvent. Voilà, donc on va essayer de moins d'en dépasser un sans lui rentrer dedans. Je te bouffe l'intérieur. Aïe, connard. Ouais, c'était dangereux ça aussi. Donc voilà un truc déjà que je trouve. Déjà qui m'énerve. Déjà quand j'ai vu les premières vidéos de ce jeu, c'était la vue intérieure, elle est vraiment dégueulasse. Donc Grid 1, nous avait modélisé tous les intérieurs de tous les véhicules. Et là ça le fait pas. Donc, je vais vous laisser ça, vous allez écouter. Thank you.
me revoilà. Donc, je voulais dire aussi, le jeu fait quand même déjà beaucoup plus immersif que dans le 2. Parce que dans le 2, vous n'avez pas toutes ces cinématiques avec toutes les personnes autour des écuries, tous les trucs comme ça. Donc là, nous allons mettre un blazouille. Je vais écrire. Ah, d'accord. Never. Non. Mais quel. 3. Âge. 16-20 ans, pays France. Non, parce que là, surnom. Oh, tiens, on va prendre un surnom. Nitro. Non, c'est. Poète, ok. Popeye, carrément. Tomahawk, le tank, le squall. Showman, le squall, tiens. Voilà, vérification des données du compte RaceNet. Contrôle de stabilité. Non, on va le laisser, ça sera mieux. Plus de challenge. Ça, position de la caméra indifférente. Durée des courses. On va faire des courses trop longues. J'aime bien les courses longues, mais pas trop. On va laisser comme ça pour l'instant. On verra si on peut plus tard augmenter. Ça fait déjà 7 minutes. Donc on va commencer. Donc vous voyez, nous avons... plusieurs catégories. Vous avez voiture, tout ce qui est voiture de tourisme. Vous avez endurance, tout ce qui est prototype, voiture comme 24 heures du Mans, tous les trucs comme ça. Open wheel, bah c'est tout simplement les monoplaces. Donc là, on peut choisir un peu tout. On va commencer par les monoplaces. Parce que j'aime vraiment les monoplaces. Oui. Ah. Donc voilà. OK. S'en fout, on va se donner quand même un objectif assez haut. Hein. On s'en fout. Allez, donc on va commencer avec les monoplaces. Donc j'ai vu, enfin, les monoplaces, d'ailleurs, j'avais testé pour voir. Et ils ont mis aussi la vue caméra embarquée dans les véhicules juste au-dessus du pilote. Et je l'avais pas remarqué en fait, parce que j'ai pas fait toutes les vues. Enfin, je sais pas, ça me l'avait pas mis moi. Et quand j'ai abandonné en fait pour après commencer cette vidéo, bah, ça s'est mis. Donc voilà, j'adore. Génial. Ok. Donc j'ai pas tout le temps, on dirait circuit de Malaisie. Ouais, Malaisie. Coéquipier. Ah oui, c'est vrai, il y a les trucs je sais pas du tout c'est qui mon coéquipier, mais bon. Donc apparemment vous avez un truc de coéquipier, mais d'être défensif ou plus d'être agressif. Putain, avance-toi. Voilà. Ça c'est un truc, il y a plus maintenant c'est plus équipe alors qu'avant c'était plus du solo en fait. T'avais ton écurie mais t'étais seul. À part dans grid 1, on avait la possibilité d'avoir des coéquipiers. Donc là pour l'instant je remonte quand même assez facilement. Donc on va voir ce que ça donne à la fin, si on va peut-être pas augmenter la difficulté, mais on verra ça quand même plus tard. Parce que là ça m'a l'air très très facile quand même. Franchement c'est vraiment bien qu'ils aient ajouté les monoplaces, c'est vraiment un truc qui manquait je trouve à Grid 2, vu que les monoplaces j'adore ça. Formule 1 j'adore, donc c'est vraiment bien qu'ils l'aient rajouté. En plus vous avez beaucoup plus de catégories qu'avant, enfin je trouve. Sachant que Grid 2 déjà en solo j'avais pas mal saigné. Donc là c'est vraiment bien qu'ils aient rajouté des trucs. En plus graphiquement et niveau optimisation ils sont vraiment pas foutus de notre gueule après... Ah oui putain j'ai oublié, contrôle de traction, il n'y a pas. Et si je fais du caca. Tout à l'heure je suis à fond dans les virages.
J'ai l'impression qu'il y a la dégradation des pneus en fait. Putain, par contre, il y a mes roues qui se bloquent, ça va pas le faire. Oh putain, sortie de piste, mais de rien du tout, faut arrêter. Donc, ouais. Donc, c'est toujours arcane, mais ça, je trouve que ça tire peut-être un peu plus vers la simulation. Putain, toi, j'ai eu chaud, je suis arrivé. Plus vite, je t'ai même pas touché en plus, c'est génial. Donc, cinquième déjà, si on reste à cette position, on a rempli notre objectif, mais bon, on va essayer d'aller quand même beaucoup plus loin que ça. On va essayer de rattraper Leo Turner. Ouais. Peut-être voir aussi pour mettre des courses plus longues parce que là. Condition véhicule et qui. Ok. On peut savoir si. Est-ce qu'on fait bien des choses comme ça. Ok. On peut savoir si ça se passe bien et tout avec les. Le pad directionnel de la manette. Parce que oui, on est sur PC et jouer la manette Xbox. J'aurais bien joué avec un volant, mais grid avec un volant vu la conduite. Putain, non, par contre, j'ai fait le con encore. Ça va m'énerver. C'est vrai que ça aurait été vraiment pas mal. Avec un volant, après, ça aurait été à voir. Je m'achèterais bien, j'ai 27, mais il n'y a pas les sucis. Donc voilà. On va essayer quand même d'en redépasser un et être sur le podium, ça serait pas mal. Parce que vraiment, je trouve que 4ème, c'est une position de merde. Je sais pas vous, mais moi, je déteste cette position. C'est comme 10ème, ça pue. Non, 11ème surtout, ça pue, parce que t'es au pied des points, et comme 10ème, oui, ça pue aussi. Comme 2ème aussi, ça pue, mais c'est bien, mais ça pue quand même, comme position. Putain que là, il y a les 3 devant moi, il y a un truc à faire. Il y a réellement un truc à faire. Je vais bouffer. Essayez de pas taper, juste. Bon, je sais, je passe comme un bourrin, je fais pas... C'est pas pareil que Formula 1, et c'est pas même ressenti... Le monoplace, sachant déjà que c'est pas les mêmes en plus. Putain, merde, j'ai touché. Oh non, elle est sortie de piste, putain. Non, 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 non. Il m'énerve ce virage, franchement, il m'énerve. Tout ce qui est bien, c'est que vu que c'est Codemasters, ils ont la licence de Formula 1, donc ils peuvent rajouter des circuits de Formule 1. Et ça, c'est vraiment. Ça, c'est beau, ça. Par contre, si je voudrais, ça va le faire. Donc voilà, 3ème c'est vraiment pas mal, sachant qu'on est parti dernier. Ouais. T'inquiète. Bon, nous sommes 3ème. Intel Motorsport. On voit vraiment que. On met des gros partenariats dans le jeu. Parce que quand tu vois Razer et Intel. Voilà quoi. On commence encore dernier, bordel. Donc si on pouvait faire 3ème encore, ce serait vraiment bien. Par contre, là il nous boulette. Je sais pas s'il y a une technique pour mieux démarrer dans le jeu. Je sais pas encore. En plus, j'aimerais vendre. Putain! Ah oui, faut qu'il remonte parce que, après, niveau championnat constructeur, ça pue un peu le caca. Donc là, j'ai fait de la merde. Je crois que c'est ça comme une vieille brêle. En plus, j'ai. Y a pas trop d'assistance là donc. Je trouve que c'est mieux en fait. On ressent plus la voiture. A l'extérieur, comme un FDP, j'en ai dépassé deux. Bon, j'ai touché, mais c'est pas grave. Putain, ça pouvait faire mieux que tout à l'heure. Par contre, ça passera pas. Si, ça passe. Donc voilà, donc j'espère juste que le réglage vous m'entendrez bien et vous entendrez bien aussi les voitures. Le bruit des moteurs. Donc voilà. Nous allons essayer de terminer cette course. Oh putain. Ah, par contre là j'ai chié là. Franchement je suis arrivé beaucoup trop vite. L'aspiration ça fait que j'ai vraiment. Ça c'est un truc qu'il n'y avait pas dans grid. Dans grid 2. Ah, putain. Là j'ai vraiment chié aussi. Oh putain, on peut dépasser le premier. Parce que dans Grid 2, j'ai pas l'impression qu'il y avait l'effet d'aspiration comme il y avait là. Donc il a l'air quand même beaucoup plus tourné simulation, même si la conduite reste arcade. Donc voilà. Là, j'essaie de pas couper. On va essayer de terminer premier, ce serait vraiment pas mal.
passer. Peut-être un peu mordu dans l'air, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous sommes premiers de cette course. Donc nous allons essayer de rester premiers sans essayer de faire trop de merde. En fait, j'ai l'impression que c'est le circuit de Malaisie, mais pas du bon côté avec des virages coupés aussi. Cela, je connais. Sauf qu'on est normalement, c'est dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas trop grave. Vous voyez la voiture qui glisse quand même. Sans le contrôle de traction, il y a quand même un peu plus de difficultés. Je trouve que c'est mieux. Ouais, hop, la voiture glisse un peu. L'arrière part assez facilement en propulsion sur ces voitures. Vu la légèreté. Réellement, franchement, déjà, le jeu, je le kiffe là. Franchement. En plus avec une IA qui a apparemment été encore retravaillée. Déjà que dans Grid 2 elle était bien là. L'IA sans être exceptionnelle, elle était. Il y avait un petit truc et là apparemment il y a encore un petit plus. Mais bon, on verra. Je vais encore le redire, mais pour peut-être l'augmenter à partir d'un moment, quand je sais pas. Juste le temps que je prenne mes marques un peu sur le jeu. Putain, c'est parti un peu large là. Mal pris le virage. Je crois que j'ai pris un peu mal depuis tout à l'heure. Donc voilà. Juste essayer de pas faire le con pour éviter de sortir de la piste. Bon, par contre, si je reste appuyé sur l'accélérateur, ça va pas le faire. Hop là. Donc j'essaierai. Bah en fait, vous aurez le Let's Play Safemer Elite 3 et de Grid Autosport. Et après, dans la semaine, bah, vous aurez du GTA ensemble, certainement des vidéos drift aussi. Avec Axe, avec les trois nouvelles maps, ça risque d'arriver. Il y a des vidéos de Rift Duel. Pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. Il y a la vidéo YamaYZF contre 370Z qui était pas normalement prévu, mais qui, quand on a joué, c'était vraiment pas mal. Donc on l'a fait quand même. Il y a que lui qui l'a sur sa chaîne. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment pas mal. Donc nous terminons. Il était combien mon coéquipier? Ah ouais, 13, putain, t'es vraiment nul à chier, mec. Nous sommes deuxième du championnat, c'est vraiment pas mal. Toujours dans la troisième niveau constructeur. Donc j'ai tous les objectifs. Finir 3 places de mieux que de position de départ dans une épreuve de course. Ok. Bon, non, là c'est les sponsors. D'accord. Je suis même pas pour être niveau 2. Ok, d'accord. Donc on va refaire encore un. Épreuve suivante. Ah, il y a encore une épreuve. Ah, attendez. Autosport Raceway. C'est le même circuit, c'est à dire que moi je me serais trompé comme un trou de balle en fait. Ah non, ok, il y a deux circuits en fait, il y a deux épreuves sur chaque circuit. Ok. Ok. Bon, je ne connais pas du tout ce circuit, c'est le premier circuit que j'ai fait. Putain, on dirait un circuit de post-street. Mais je pense que. Enfin, de Need for Speed. Ah, mais dans Shift il y a, j'ai l'impression. Wouah, mais les gars, putain. On va mettre un flashback pour la peine. Qui sont en train de chier dès le début là. Putain, mais arrêtez. Par contre, être en queue de peloton comme ça, c'est vraiment chiant. Putain, toi t'es là. Ah si, ce circuit, je l'avais vu en vidéo. C'est resté sur la piste. Putain, faut finir au moins 5ème. Sur un circuit qu'on connaît même pas. Ça va être chaud, c'est déjà premier tour, on n'a pas dépassé grand monde. Déjà 12ème. Hop, 9ème. En fait, j'ai peut-être rien dit. Voilà, 8ème. Putain. Putain, mais il est con lui. La flèche, on la voit pas assez tôt en fait. C'est vraiment. Là, c'est bon, c'est. On voit pas vraiment s'il est collé à nous ou pas. C'est vraiment galère parce qu'on voit que dalle dans les rétro. Bon, c'est vrai qu'en plus qu'avec cette vue, c'est normal qu'on ne voyait rien. Mais... Merde, putain, j'ai cru qu'il y avait un autre virage qui suivait, en plus je regarde pas la map. Hop, toi je t'ai dépassé. Oula.
l'impression que le fond plat a touché quand même. Donc ouais, ça sera une carrière suivie et je pense que ça va durer pas mal de temps. On verra, hein. Oh putain. Par contre ça m'énerve de d'être derrière un mec et pas freiner au même endroit que comme l'IA, c'est vraiment chiant ça. Parce qu'il faut vraiment anticiper, c'est vraiment peut-être le plus dur du jeu. Vraiment anticiper les freinages des de l'IA. Putain. Glisser. Quatrième. 5 tours. La première place est à notre portée, franchement. Je vais essayer de marder un peu plus. Si je prenais mieux les virages, ça mènerait. Éviter de glisser aussi, ça serait bien. Putain. Et freiner comme un connard là. Freiner beaucoup trop tard. Putain. Non par contre ça j'aime pas. J'aime pas ça glisser sur les vibreurs. Je monte trop dessus à chaque fois et. Faut pas. Putain. Ok. Fais le meilleur temps. Faire gaffe ici. Dangereux. On va être bouffé ici. Je suis vraiment comme un dingue, moi, franchement. Ouah, wow, mais arrête, putain. Mais ils freinent trop pour rien. C'est normal, c'est en moyen, j'ai envie de dire, après, mais... Je disais, c'est voilà, c'est anticiper les freinages des... de l'IA, c'est vraiment très très dur. La voiture glisse pas mal en fait. J'ai l'impression qu'on a vraiment une dégradation des pneus. Je sais pas si à Liège, j'ai pas regardé, mais apparemment il y aurait une dégradation des pneus. J'avais vu, je crois, je sais plus, mais je crois qu'il y a une dégradation des pneus qui a été mise en place dans le jeu. C'est vraiment bien. Ça accentue l'effet simulation. Je trouve vraiment ça bien en fait. Peut-être que la conduite n'est pas vraiment simulation, mais c'est vraiment un truc de cool. Maintenant, on va juste essayer de gérer la fin. Et si on pouvait finir premier du classement, enfin pilote, je pense que c'est bon. Je pense que ça sera bon, mais ce sera surtout constructeur, c'est vraiment bien, même si ça va être dur. Là, j'essaie juste de prendre moins de risques, pas foirer la course. Voilà, dernier virage. Donc voilà. Haha. 4 minutes 28. Génial. Ouf. Donc premier, 3 points d'avance. Si on termine premier, ça sera bon. Ouais, par contre avec l'autre, ça va pas être possible. Constructeur, peut-être. Non, deuxième, je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu le classement. Ok, putain. Dommage qu'il n'y ait pas de séance de qualif là. Franchement, ça aurait été bien. La vidéo serait beaucoup plus longue, mais si j'aurais fait plusieurs tours, j'aurais vraiment mis que les meilleurs tours. Normalement, je voulais faire aussi un truc sur Formula One. Et je pense que ça attendra le 2014. Je pense que le 2014, ça sera bon pour une petite carrière suivie sur Formula One. Putain. Là, j'ai vraiment chié dans la colle. Vraiment, une queue de peloton comme ça, et qu'il y a, c'est vraiment la merde. Putain, mais dégage. On va essayer de passer propre. Toi, je te bouffe là déjà. Ah putain, merde, j'ai touché, par contre c'est pas bon. J'aime vraiment pas toucher les gens, surtout en monoplace. Bon, franchement, les voitures de tourisme, je m'en bats les couilles. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais bon. Huitième. Ouah, c'est bon. Je pense que la première place est à notre portée, encore une fois. On va juste essayer de, dans ce tour, monter le maximum de places possible. Tout clair qu'on a beaucoup plus de place pour dépasser maintenant. Putain. Waouh, waouh, waouh. Putain, mais je passe vraiment comme un tocard, moi.
ils avancent vraiment pas. Hein. C'est vraiment casse-couille. Que je te bouffe à l'intérieur. Voilà, donc là le champ est beaucoup plus libre. Voilà. Peut-être en recroisant. Putain, c'était. Là j'ai eu chaud là. J'ai perdu du temps pour rien. Ouais, c'est pas bon. Franchement là il faut que je termine premier. Putain, mais avance toi. Putain, mais vieux trou de balle va. Eh. C'est bien ça, ça s'amène. Troisième. Ouais putain, c'est vraiment tu montes sur les vibreurs, ça pardonne pas. Pas trop monter dessus. Éviter surtout d'accélérer quand on est dessus. Enfin d'accélérer moins fort possible surtout. Je déteste vraiment ce virage, à chaque fois je monte trop sur les vibreurs. Je crois que c'est la course la plus moisie que j'ai fait sur les 4 là. Parce que j'arrête pas de rentrer dans les gens, ça m'énerve. Là. Ça me sert pas trop, tu sais où je suis là. Yoshi il a fait quoi lui? Ah oui il a dû freiner je pense. J'ai dû lui barrer la route. Si là le virage on le prend vraiment pas bien. C'est quand même beaucoup plus difficile à passer je trouve que dans Grid 2 hein. Même s'il n'y avait pas de monoplace mais vraiment monoplace dans Grid Autosport là j'ai franchement c'est le kiff. C'est peut-être pas vraiment simulation. Oh putain, je trouve que j'avais terminé. Mais c'est vraiment un truc bien immersif. Excusez-moi si je me répète hein. C'est pas trop grave. Tu qui glisse. Sans le contrôle de traction, c'est vraiment. C'est bien. Un peu de glissade. Partie large là, putain, j'ai fait le con. Je freinais plus aussi, c'est pour ça. Victoire. Donc nous avons gagné notre premier championnat en monoplace. Ouais, j'ai bien dit, on a réussi à être deuxième. Belle fin de saison, on a fait 4 courses. Hein. Campagne promotionnelle. Terminer une épreuve de course sans collision. Oh, ça va être chaud ça par contre. On est à niveau 2 là. Oh les salauds. Fin de saison 1. Wouh. D'ailleurs il y a les championnats GP Sparco. Récompense. Hop. Progression de cœur. Oui, nous avons. Ok d'accord, donc ça marche par niveau. Donc le niveau grid nous l'aurons. Enfin le championnat grid niveau 3. On a attendu un niveau 3 tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode de notre carrière suivie vous a plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez. Suivez-moi sur Twitter parce que je suis quand même très actif maintenant sur Twitter, je ne manquerai rien. Le lien sera dans la description. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.